Le climat des affaires au Nord Kivu était au centre ce lundi 24 octobre à Goma de la 4e édition du dialogue fiscal organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Les participants à cette rencontre issus des différentes structures des opérateurs économiques de la partie nord Rutshuru et ceux de Goma et certains services étatiques ont échangé autour des doléances présentées dans un contexte particulier sollicitant l'allègement fiscal. Plusieurs résolutions ont été prises visant la réduction de certaines taxes. La perception par les agents du service de l'environnement des frais dits administratifs relatifs au dossier de demande de permis d'exploitation est déclaré illégal et illicite. Il est recommandé au directeur provincial de la Caisse d'épargne du Congo, CADECO en sigle, comme aux autres banques, avec l'accompagnement du gouvernement provincial, d'initier auprès du ministère des Finances au niveau national une démarche visant à décharger les assujettis des frais de paiement des bordéraux de versement à l'occasion du paiement d'impôts et taxes dans les banques et institutions financières. Le rapport final des échanges sera soumis au gouverneur de province, a indiqué son représentant, le conseiller principal en charge des finances, Maître David Kamoua, qui se réjouit des acquis de la rencontre. Sur orientation de son Excellence, Monsieur le gouverneur, nous venons de prendre des résolutions à un total 16 que nous allons soumettre à l'autorité provinciale afin de prendre des décisions qui s'imposent. D'abord, le plaidoyer pour ce qui concerne la proclamation de la zone sinistrée au niveau du pouvoir central, mais également au même niveau du pouvoir central, plaider pour la réduction des impôts et des taxes, puisqu'il s'agit d'une compétence exclusive du pouvoir central. Mais pour ce qui concerne certaines taxes qui sont de la compétence de la province et des ATD, nous avons proposé au gouverneur d'agir directement. Pour ne citer qu'un exemple, il s'agit par exemple des taxes de stationnement, il s'agit des taxes, disons, des frais administratifs qui sont supprimés. Nous avons confirmé cela à travers les résolutions que nous venons de prendre. Et nous pensons que, comme vous le comprenez, l'autorité provinciale ainsi que l'ensemble de ses administrés tiennent beaucoup à l'amélioration du climat des affaires. Un motif de satisfaction pour le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en sursis. Évidemment, un motif de satisfaction parce que ce dialogue a été demandé par la population du Nord Kivu, de manière générale à travers celle du Grand Nord, qui est aujourd'hui victime de beaucoup de faits. Nous l'avons décrit ici, la population du Grand Nord, Beni, Butembo, aujourd'hui Rutshuru, est affectée triplement. D'abord par son humanité, elle est victime de beaucoup de massacres, de viols et de traumatismes de toute nature. Elle est deuxièmement affectée dans son économie parce que son capital fait l'objet d'incendies, des camions et ses marchandises sont pillées par les rebelles. Elle est triplement affectée maintenant par une pression fiscale sans pareil. L'application de lois sur la fiscalité mais qui ne tiennent pas compte des contextes dans lesquels évolue cette population. Honorable Jean-Paul Lumbulumbu t'envoie le gouverneur faire le relais de ce plaidoyer au niveau national.